Je m'appelle Koulibaly Emmanuel. Je suis le chef de service production semences et recherche et développement au niveau de l'ADERI, qui était en fait l'ONDR. Voilà. Cette formation pour nous est très importante. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une stratégie nationale de développement, stratégie qui a été adoptée par le gouvernement pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2020, porter notre production à 1 900 000 tonnes de riz blanchi. Et pour produire cette quantité, il est important d'améliorer les rendements. Et qui dit améliorer les rendements, ce sont l'utilisation des semences de bonne qualité. Et cette formation initiée par l'OND en collaboration avec la FAO et Africa Rice, donc cette formation a eu lieu. Elle est très importante pour nous parce que ça nous permet d'améliorer améliorer, comment on appelle ça, la capacité, renforcer les capacités des producteurs semenciers pour que cela puisse produire de la semence de très bonne qualité et que nous puissions les mettre à la disposition des producteurs semenciers. On sait tous que l'utilisation de la semence de bonne qualité permet d'augmenter, hein, de 30 à 40% la production. Nous, cette formation a un intérêt national pour nous, un intérêt très important pour permettre, hein, comme je l'ai dit, la production de semences et donc la production de riz blanchi. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, ayant organisé cette rencontre ici à Africa Rice, c'est très important, d'autant plus que nous avions ici des chercheurs qui ont cette expérience. Avec les producteurs, ils ont vraiment donné cette expérience-là aux différents producteurs. Ils ont la pratique. Aujourd'hui, hier, nous étions à la banque de données. Nous avions pu voir avec Dr. Ba sur le terrain les différentes techniques pour faire la pépinière et aussi, comme on appelle, le repiquage. Donc, tout cet ensemble-là permettra aux producteurs d'avoir aussi d'améliorer leur capacité. Nous vraiment voulons remercier Africa Rice parce que moi personnellement, ça m'a permis de voir que la banque de gènes qui est vraiment renouvelée avec près de 21 000 accessions, c'était vraiment une grande expérience pour nous. Et nous voyons que ici, on peut vraiment avoir tout ce qui est pour le riz. On se réjouit aujourd'hui que Africa Rice soit revenu vraiment en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec l'appui de Africa Rice pour la mise en œuvre de la SNDR est très importante. Nous connaissons les relations qui existent entre l'ONDR et Africa Rice pour la mise à disposition de la semence de très bonne qualité. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de l'ONDR, nous pensons que nous allons atteindre nos objectifs, mais avec les partenaires tels que Africa Rice, tels que la FAO. C'est ce que je voulais noter. Nous avions insisté à inviter des producteurs semenciers qui sont eux des leaders au sein de certaines firmes, de certaines coopératives. Donc eux, cette formation, ils doivent aller, je dis maintenant, la dupliquer auprès de leurs adhérents, auprès des autres producteurs semenciers. Si vous voyez, on a environ 30 personnes qu'on a pu inviter. On ne pouvait pas inviter tout le monde. Et la formation en une semaine, c'est vrai que ça va leur permettre de renforcer leurs capacités. Et ce que nous leur avons demandé, les documents que nous mettons à leur disposition, il faut qu'ils partent remultiplier en fait cette formation que nous venons que nous avions, comment on appelle ça, que nous leur avons donné. Et il y aura après cette formation une évaluation sur le terrain auprès de ceux-là, auprès de leur coopérative, pour voir est-ce que cette formation-là, ceux qui sont venus ici ont pu dupliquer cette formation auprès de leurs coopérants. Donc c'est ce travail que nous allons faire après. Mais quand vous regardez en général, lorsqu'ils viennent nous suivre une formation, une telle formation, que nous avons un retour, nous partons sur le terrain pour voir
effectivement, il y a que ceux-là renoncent en fait à leurs camarades pour leur apprendre un peu ce qu'ils ont pu apprendre ici sur le terrain. Donc je pense que ce travail sera fait et que c'est ensemble que nous devrons travailler. Notre objectif ici, c'est que les producteurs puissent utiliser la semence de très bonne qualité. Comme je le disais, l'utilisation de la semence permet d'augmenter les rendements, donc la production. Il y a donc un travail de promotion de l'utilisation de la semence qu'il faudra faire. Leur montrer l'avantage d'utiliser de la semence. Mais il faut que cette semence-là aussi soit disponible en leur sein. Donc il y a du travail à faire pour la disponibilité, pour la production de la semence à partir des firmes, à partir des structures. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de l'ONDR, c'est vrai aujourd'hui qu'on a un seul centre de conditionnement de semences. Donc avec l'appui de la Banque islamique de développement de la BID, nous prévoyons l'installation de six autres centres de conditionnement pour augmenter les capacités de production et aussi permettre que la semence soit à côté même des producteurs. Aujourd'hui, c'est le centre de Yamoussoukro. Je pense que demain, ce sera le centre d'Odjéné, de Korogo, demain. Donc, on aura six autres centres comme ça qui seront installés en Côte d'Ivoire et ça va augmenter notre capacité de production de la semence. Bon, effectivement, hier, nous en avons parlé lorsque M. Essé, le sous-directeur des semences et intrants, est venu pour nous entretenir sur la législation semencière. Et effectivement, le souci des multiplicateurs, des apprenants ici, a été qu'il n'y avait pas assez de contrôleurs semenciers sur le terrain. Je pense que le ministère en est conscient et donc ils sont en train de prendre les dispositions pour déployer les contrôleurs sur le terrain pour qu'eux ils puissent déjà, dans un premier temps, contrôler la semence qui est produite. Mais nous, ce que nous leur avons déjà donné comme conseil pendant les échanges, pendant les cours, c'est qu'en leur sein déjà, il faut qu'il y ait des contrôleurs qui vont déjà faire le premier travail avant que nous, ONDR, nous venons avec nos techniciens, qui nous facilitent en fait le travail, qui facilitent le travail aux contrôleurs semenciers qui sont au sein des directions régionales. Donc c'est en leur sein déjà qu'ils doivent avoir des contrôleurs. Nous sommes prêts à leur donner, à apporter, comment on appelle ça, notre contribution pour former ceux-là, qu'ils aient vraiment cette base pour le contrôle au sein même des structures, avant que le contrôleur ne vienne. Ça va faciliter encore plus le travail. Et ce qu'ils ont dit par rapport au nombre, comme je vous l'ai dit, le ministère en est conscient et je pense qu'ils travaillent dans ce sens-là pour déployer le plus grand nombre de contrôleurs auprès des producteurs semenciers.